La méditation de ce 29 juillet est intitulée « L'ange d'Apocalypse 18 ». Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, 1. Les prophéties du chapitre 18 de l'Apocalypse se réaliseront rapidement. Lors de la proclamation du message du troisième ange, un autre ange doit descendre du ciel avec une grande autorité et la terre sera éclairée de sa gloire. L'Esprit du Seigneur bénira si abondamment les êtres humains consacrés qu'hommes, femmes et enfants proclameront des louanges et des actions de grâce et rempliront la terre de la connaissance de Dieu et de sa gloire inégalée comme les eaux recouvrent la mer. Ceux qui ont maintenu fermement le principe de leur foi jusqu'à la fin seront bien réveillés pendant le temps de la proclamation puissante du message du troisième ange. À l'heure du grand cri, l'Église, soutenue par les interventions de son éminent Seigneur, répandra si abondamment la connaissance du salut que la lumière se propagera dans toutes les villes, petites et grandes. La terre sera remplie de la connaissance du salut. Le renouvellement de l'Esprit de Dieu couronnera d'un si grand succès l'activité intense des instruments humains que la vérité présente jaillira de toutes parts. Il y aura une série d'événements qui auront pour objet de montrer que Dieu domine la situation. La vérité sera proclamée dans un langage clair et sans équivoque. En tant que peuple, il nous incombera de préparer le chemin au Seigneur sous la direction de son Saint-Esprit. L'Évangile doit être donné dans sa pureté. Le courant des eaux vives doit approfondir et élargir son lit. Auprès et au loin, des hommes seront appelés à quitter la charrue et les affaires qui occupent généralement la pensée pour être formés par des hommes d'expérience. Lorsqu'ils auront appris à travailler avec succès, ils proclameront la vérité avec puissance. Grâce aux opérations merveilleuses de la providence divine, des montagnes de difficultés seront transportées et jetées dans la mer. Le message qui revêt une si haute signification pour les habitants de la terre sera entendu et compris. Les hommes connaîtront la vérité. L'œuvre progressera sans cesse jusqu'à ce que la terre ait été avertie. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, 1. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.